all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh. Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter la méthode HACCP, une méthode qui a été lancée dans les années 60 aux États-Unis. C'était la NASA à l'époque qui avait mis en place cette technique de, si vous voulez, de procédure pour éviter toutes les intoxications et pour que l'entreprise puisse travailler en, tout en respectant les normes d'hygiène. Alors la méthode HACCP, lancée par la NASA dans les années 60, ayant pour but et pour objectif que les astronautes qui étaient en mission pendant plusieurs mois dans les espaces, devaient avoir des produits sains et des produits qui ne peuvent pas causer des intoxications lors de ces missions-là, parce que les missions coûtaient très très cher à la NASA. Ils devaient mettre en place donc ce système, vraiment ce qu'on appelle Hazard Analysis Critical Point Control en anglais, ou en français tout simplement, analyse des dangers et les points critiques pour leur maîtrise. Alors on va voir ensemble. Alors la méthode HACCP, elle consiste en premier lieu de constituer l'équipe HACCP. Alors constituer l'équipe HACCP, eh bien tout simplement, c'est comme il s'agit d'un contrôle interne de l'établissement, ça peut être un hôtel, ça peut être un restaurant. Il faut que le directeur ou le patron soit dans l'équipe HACCP, le chef de cuisine ou le chef de production, et bien sûr un chef vétérinaire. Et puis on peut rajouter dans cette équipe deux ou trois autres personnes. Si l'entreprise ou la société ne possède pas les compétences nécessaires pour mettre en place la méthode HACCP, dans ce cas, il vaut mieux faire appel à une entreprise spécialisée dans les certifications HACCP. Alors, deuxième étape, c'est d'écrire le produit. Alors, quand vous décrivez le produit, ça permet de connaître réellement là où il y a les phases de fabrication, comment il est fabriqué, et puis comment il a été conçu. Troisième point, c'est déterminer l'utilisation prévue du produit. Alors le produit, bien sûr, l'usage, est-ce qu'il est destiné par exemple à la restauration commerciale, la restauration rapide, la restauration collective? Ces critères-là sont déterminants aussi pour l'utilisation du produit pour pouvoir justement identifier les risques et mesurer les risques. Quatrièmement, établir un diagramme, c'est le diagramme par l'équipe HACCP qui va permettre justement de compléter, de connaître là où l'action va commencer et là où l'action va finir. Cinquième étape du respect justement de cette technique HACCP, de confirmer sur place le diagramme des opérations. C'est-à-dire l'équipe HACCP devrait comparer en permanence, c'est-à-dire une fois qu'on a fait ce travail, parce que l'équipe HACCP doit faire ce qu'on appelle un service de contrôle à n'importe quel moment. Il doit vérifier justement si le diagramme a été satisfait ou non satisfait lors de la réalisation des plats. Étape numéro 6, c'est l'analyse des dangers. C'est là vraiment qu'on va commencer à analyser les dangers. Alors les dangers, vous pouvez avoir des dangers microbiologiques, donc liés aux microbes. On peut avoir des dangers chimiques liés aux pesticides, les résidus, les produits d'entretien, etc. Et on peut également avoir des dangers physiques, présence de métal, de bois, et puis même le matériel de production avec lequel on va réaliser la préparation. Ça, c'est très important d'analyser les risques, et d'où la nécessité d'avoir avec l'équipe HACCP un médecin ou un vétérinaire spécialiste dans justement les intoxications alimentaires. Alors l'étape numéro 7 par la suite, déterminer les points critiques comme principe numéro 2, c'est-à-dire il peut y avoir plusieurs points critiques, mais il va falloir faire un arbre de décision qui va présenter un raisonnement fondé sur la logique, c'est-à-dire qu'elles sont réellement, bon je vais vous donner un exemple,
On va réaliser par exemple la mayonnaise. Est-ce que l'huile, par exemple, qui va rentrer dans la fabrication de la mayonnaise, peut être un point critique? Ça, c'est une question. Mais je pense, si vous achetez de l'huile d'une marque précise, d'une marque qui répond justement aux normes, qui est déjà labellisée et qui est certifiée, ça ne peut plus devenir un point critique. Donc l'huile, on peut l'éliminer. On va se focaliser sur les autres produits dans la fabrication de la mayonnaise, tels que les œufs. Là, par exemple, c'est un produit critique à risque. Alors, étape numéro 8, c'est fixer le seuil, comme j'ai dit, donc le seuil, la fixation, et valider si possible le seuil correspondant à chacun des points critiques. Ça permet de voir le pH, les températures, la durée, etc. de chaque plat et de chaque préparation. Alors, étape numéro 9, c'est mettre en place donc un système de surveillance. Alors, ce système de surveillance va permettre à l'équipe HACCP, à n'importe quel moment, de surveiller les résultats et bien sûr pour avoir un produit de qualité sain qui répond justement aux normes HACCP. Étape numéro 10, déterminer les mesures correctives, donc pour mesurer les écarts et voir, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de mayonnaise, l'œuf peut être un point critique, eh bien il vaut mieux peut-être éliminer l'œuf frais. Utiliser les ovoproduits. Par exemple, on va utiliser dans les mayonnaises des jaunes en poudre qui se trouvent commercialisés sur le commerce pour éviter toute intoxication. Étape numéro 11, avant-dernière, prévoir les procédures de vérification. Alors là, on peut avoir des recours à des méthodes et des procédures et des tests de vérification de l'audit, notamment des prélèvements, échantillonnages, etc. pour justement passer en revue le système HACCP, prendre connaissance des écarts constatés, vérifier que les points critiques sont bien maîtrisés. Et enfin, constituer des dossiers, la traçabilité, pour justement avoir tous les points et tous les critères qui vont nous permettre d'analyser les dangers, déterminer les points critiques et détermination des seuils critiques. La méthode HACCP est une méthode un peu complexe. Il faut donc vivre l'expérience et beaucoup plus si il n'y a pas les ressources nécessaires dans l'entreprise ou dans l'établissement de veiller à mettre en place cette structure et cette méthode HACCP, il vaut mieux faire appel à des organismes qui sont spécialisés dans la certification et qui peuvent vous délivrer la façon de mettre en place cette méthode HACCP. Mais pour résumer en toute simplicité, la méthode HACCP repose essentiellement sur un contrôle, sur un audit interne de l'établissement. C'est lui qui doit veiller par l'implication, par l'engagement de l'ensemble de l'équipe qui travaille au sein, ça peut être un hôtel ou un restaurant, une boulangerie, une pâtisserie, etc. Tout le monde doit s'engager à veiller à respecter les procédures, les fiches techniques et surtout ce que l'équipe HACCP a mis en place comme identification des points critiques de chaque préparation. J'espère que cette petite intervention sur la méthode HACCP qui consiste à identifier les points critiques qui peuvent être liés soit aux intoxications microbiologiques, chimiques ou le matériel avec lequel vous allez travailler. Encore une fois, merci. Si vous avez des questions, des suggestions, je suis ouvert à vos remarques, à vos observations et à la prochaine intervention. Au revoir.